Mon père, il fait très attention à moi. Normal, c'est mon père. En fait, il a toujours peur que je me fasse agresser par des garçons n'importe quand. Donc, il me demande tout le temps s'il y en a qui m'embêtent à l'école. C'est assez touchant vu qu'en fait, je lui dis pas toute la vérité. Sinon, je pense qu'il dormirait plus la nuit. Oh, mais que c'est mignon, c'est un petit bouton d'acné, ça. Fais voir. De l'acné ? Ça veut dire que je vais bientôt devenir ado ? Avec mes copines, on joue tout le temps à un jeu qui s'appelle le jeu des ados. C'est des jeunes plus vieux que nous et ils sont au collège. Trop bien, non ? Hé, la chance ! Les mêmes boutons que ma sœur ! Dans le jeu des ados, en fait, on est des ados qui vont à une soirée où il n'y a pas les parents et on fait juste ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on est en mode liberté et on danse la valse, tout ça, et on séduit. Oh mon Dieu, vous êtes si belles ! Oh, superbe, vraiment ! On le joue qu'entre filles. Les garçons dans mon école sont vraiment des connards, ils jouent jamais avec nous. Oui, désolé, j'utilise le mot connard, mais c'est un vrai gros mot et on l'utilise tout le temps. Par exemple, le midi où j'ai eu mes boutons, on était contentes, on jouait et voilà ce qui s'est passé. Wesh, les démodés, vous vous touchez les uns ou quoi ? Celui qui a dit ça, c'est Abdou. Avant, il était trop sympa et depuis quelques temps, mais il est horrible. Il fait son frimeur et tout parce qu'il porte un blouson en cuir sans manches. Tous les garçons s'habillent comme lui maintenant parce qu'il est juste trop fort, trop plus grand et tout. Mais attache tes cheveux, achète des vêtements, fais un effort. Mets un legging qu'on voit ton cul, espèce de démodé. Abdou, il me cherche, il arrête pas de me dire des choses en rapport avec l'amour ou le zizi, que des trucs qui m'intéressent pas. Et ça me vexe vraiment et ça me blesse. Hé, hey, de quoi je me mêle ? Dégage ! Hé, hey, laisse-moi danser avec toi, c'est mieux un garçon qu'une fille, vas-y. Allez, viens te coller là. Viens te coller, je te dis. Madame, il nous agresse, madame ! Hé, hey, ta bouche bouffonne, ferme ta gueule avec tes deux netons sur le front là. Dégage la bouche ! Il m'a tellement vexé quand il a dit ça, c'était vraiment horrible. Le soir, je suis rentrée chez moi. Bon alors, c'était bien l'école aujourd'hui, chérie ? Ouais, ouais. Bah Esther, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu te caches comme ça ? En fait, j'avais trop honte. Je m'étais jamais rendu compte que c'était vraiment la honte d'avoir des boutons. Et les netons, c'est ce que les femmes ont au bout de leur sein, si vous saviez pas. Et il m'a dit que j'avais ça sur le front. Mais la pure horreur, quoi.